Mon mariage est un mariage qui a duré 51 ans. Tout d'abord, c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'il a duré aussi longtemps. J'en ai eu ma femme, elle m'en eut, mais nous comprenons que nous devons nous supporter l'un l'autre. Et c'est la seule façon de réussir. Et je pense que c'est le secret de la réussite de ma vie de couple. La tolérance, la compréhension, le fait que ma femme n'est pas ma sœur jumelle. Donc, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout ce que nous faisons, mais nous sommes inspirés par le fait que la tolérance doit jouer le rôle majeur dans une relation. Au cas contraire, ça ne réussira pas. Donc, elle me blesse, je la blesse, mais nous croyons qu'à la fin de chaque jour et de chaque expérience, seuls nous deux sommes responsables de la réussite de notre vie de couple. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Non, tu es en train de perdre. Non, je ne comprends plus ton jeu. Non, ce que tu fais n'est pas bien, non. Relax. 6. Le fait que tu me gagnes, pas ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve plus, c'est ton rire là. 5. Non, tu ne vas plus jouer. Oh, c'est ton tour, non? Tiens, joue, tu vas jouer. 1. Eh, hey, oh. Non. C'est quoi son problème? Non. Regardez-le. Alors que la troisième guerre mondiale est sur le point de commencer, c'est maintenant qu'il est en train de dormir, ronronnant même. Titus, mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu m'as giflé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je sais que tu as perdu la plus grande partie du cerveau de ta tête. Mais la petite partie qui reste devrait te rappeler que c'est aujourd'hui que patron et madame reviennent et que tu devrais aller les prendre à l'aéroport. Hey, hey. Non, hein? J'ai oublié, oui. Titus, ouvre le portail. Ouvre ça, s'il te plaît. Hey, n'appelle pas mon nom comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Titus, tu l'as ouvert? N'appelle pas mon nom comme ça. C'est moi qui t'ai dit de dormir comme ça. Hein? Regardez-le-moi. Écoute-moi bien. Désormais, n'appelle plus mon nom comme ça. Je te préviens maintenant. Écoute-moi. N'appelle plus mon nom comme ça. Regarde-le-moi. Oh. Regarde-le-moi. Pourquoi crier mon nom comme ça? Ty, où est-ce qu'il va vite comme ça? Où est-ce qu'il va? Pourquoi toi aussi tu poses ce genre de questions? Donc toi aussi tu ne sais pas que c'est aujourd'hui que. Qu'est-ce que tu disais même? Où est-ce qu'il est allé? Pourquoi tu poses ce genre de questions? Tu veux me dire que je ne sais pas que c'est aujourd'hui que patron et madame reviennent. Oh. Et il va les prendre à l'aéroport. C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne devait pas aller à cette heure. Il devait atterrir depuis, non? Non, hein?
Non, hein? Clint n'est pas intelligent. Il n'est pas du tout intelligent. Il part à l'aéroport sans habit. Avec ses cinglés, il part comme ça jusqu'à l'aéroport. Comme ça. Est-ce que tu as les sens? Y a-t-il une uniforme spéciale pour l'aéroport? Ah, c'est vrai. Non, non, hein? C'est vrai, t'as En tout cas, allons finir notre jeu. Hein? Kangba Gigbe. Regarde non, ta bouche. Il y a la saleté là. Enlève ça, enlève. Enlève. Qu'est-ce que tu crois? C'est par amour que je te fais des passes, non? Tu te laisses jouer 11, 12 et tout ça. On continue encore de jouer. Ouais, non, hein. Allons jouer encore une fois. Tu sais qu'aujourd'hui sera la dernière fois pour nous de jouer ce jeu. C'est vrai, oh. Tu sais pourquoi? Dès qu'ils seront là, patron et madame sont on ne saura plus jouer. Toutes les portes seront fermées. Tu es venu en retard. Notre vol est arrivé il y a des heures passées. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dors n'importe comment. Ne vous fâchez pas, monsieur. Es-tu malade? Je ne suis pas malade, madame. Je vais bien, tout le monde va bien. Me voici, non? Tout simplement que le fils de l'homme pense trop. Très bien. Et tu penses que te promener avec beaucoup de problèmes dans ta tête serait très bien pour ta santé? Oga, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprenez pas. De toute façon, je suis désolé. Eh bien, tu n'as pas à l'être. Nous sommes tous êtres humains et nous vivons dans un monde compliqué. Et nous savons que les choses arrivent. Et à part ça, il nous arrive parfois à commettre des Exactement. Erreurs. Exactement. La manière dont tu vas décider de mener ta vie, c'est ça qui va déterminer le nombre d'années que tu vivras. Oui, n'est-ce pas? Exact. Et tu es même venu en cinglé. Je devine que ça fait aussi partie de tes pensées, hein. Oga, ne me regardez pas, ça fait partie, ça fait partie. Ah, Oga, vous ne pouvez pas comprendre. Aïe, vous ne pouvez pas comprendre. Nous comprenons parfaitement. Nous te comprenons parfaitement. Je suis ravi de vous revoir. Nous aussi. Soyez les bienvenus. De même Merci. Que nous. Soyez les bienvenus. Bienvenue, monsieur. Oui, merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue, madame. Uh-huh. Patron, bienvenue. Oui. Si, s'il vous plaît, madame, je suis là. Ma jolie, comment tu vas? Ça va. Je suis ravie de te voir. Bienvenue, madame. Comment tu vas? Comment vous allez tous? Nous allons bien. Comme vous le voyez. Oui. Patron, oui. Bienvenue, monsieur. Oui, merci. Bienvenue. Oui, merci, merci. Madame, oui. Patron, s'il vous plaît, comment ça va à l'étranger? À l'étranger, tout se passe bien, sauf qu'il faut que je vous rappelle que nous étions partis au Canada. Hein? Non, mais arrête avec ta comédie. Tu ne sais pas ce que c'est aller à l'étranger, toi. Le Canada est un pays qui est très loin du Nigeria. Non, hein? Oh, je suis vraiment fatiguée. Viens par ici. Regarde-moi cet idiot. Bouge. Non, hein. Va prendre le sac. Toi, gars, ouvre ce coffre. Attends, tu sais que je suis ton aîné ici. Va ouvrir ça. Toi, ce gars, toi, ce petit gars. Pas de problème, pas de problème. Je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir le coffre. Je vais ouvrir le coffre. Viens prendre le sac. Les cadeaux que madame nous a achetés sont dans ces sacs. Prends-les. Prends-les, idiot. Non, hein. Tu ne veux pas les prendre? Non, hein. Je prends le. Prends ça aussi. Prends ça aussi. Tu sais ce qui est dans cette valise? Je ne veux pas te le dire. Je ne veux pas te le dire, t'inquiète. Ok, ça c'est pour toi. Ah, merci, monsieur. Mm-hmm. Merci. Merci. Et ça merci, patron. Merci, madame. Merci, madame. Cletus. Monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Non, madame, merci beaucoup. Non, Très bien.
Okay. Vous pouvez aller les essayer. Oui, je vais essayer le mien. Allons-y. Cletus. Cletus, un instant. Il faut que tu nous emmènes à la paroisse. D'accord, monsieur. Il faut que j'aille déposer mes habits dans ma chambre. Je vous attends dans la voiture. Ok, très bien. Oh, c'est vraiment merveilleux d'être à la maison. On est mieux que chez soi. En tout cas, je remercie Dieu pour tout. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui est et qui vient pour le siècle de siècle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chineke na nizia mwaganya o Chukune kwela kuwa meremo. Comme cela a été dans le passé, aujourd'hui et à jamais. Amen. Le Père est là. Saluons-le. Bon après-midi, Père. Ah oui, merci. Bon après-midi, prof. Bon après-midi, madame. On était venus aujourd'hui tôt le matin. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Oui. On était là depuis longtemps, mais on s'était dit de vous attendre. Cletus, je t'en prie, va prendre le bagage dans la voiture. D'accord, madame. Je vous prie donc, venez avec moi. Oui. Oh, très bien. Père, quelles sont les nouvelles? Oh, vous savez, Dieu est merveilleux. Il ne cesse de nous faire grâce. C'est ce que je peux vous dire en tout cas. Tu es trop cool. Maintenant, celle-ci même me suffit. Vas-y doucement, c'est la sauce de ma femme. Patron, madame, bienvenue. Hein. Vous avez déjà commencé à manger tôt le matin comme ça? Vous ne pouvez pas comprendre, regarde, cette faim nous dérange depuis notre rêve, principalement moi. Mais, pour vous dire vrai, le matin, vous devez prendre quelque chose de léger. Quelque chose conçu pour le déjeuner. C'est si léger. Et je n'ai jamais vu quelqu'un parmi vous faire du sport. Étant jeunes hommes et jeunes femmes, vous devez faire du sport pour garder Exactement. Votre santé. C'est rien qu'en faisant des exercices que vous serez souple. Madame, nous faisons des exercices. Regarde, on essaie. Nous essayons de le faire. Écoutez, vous devez tous être en forme. Ok, c'est bien noté, madame. Nous serons tous demain dehors. Exactement. On va vous suivre. Ok, c'est vraiment une bonne chose si tu le dis. Et on ne court pas comme ça. Comment on le fait? Allez, arrête ce que tu fais. Regarde comment je fais. C'est comme ça qu'on le fait. Oui, allez, chérie, on y va. Oh, regardez-nous oui. maintenant. Vous voyez comment on le fait? Il y a encore de la soupe. Nous allons finir notre petit déjeuner d'abord. Regardez, Oga. Non, regardez, patron. Patron avance comme un éléphant. Comme ça, comme ça. Patron, comme deux sacs de riz. Abaissez vos voix. Bébé, prends celle-ci. Prends de la viande. D'ailleurs, j'en ai même plus envie. Que je continue avec ma bouffe. Les exercices commencent demain. Demain, on commence les exercices. Hein.
Chérie? Chérie? Pas de petit déjeuner? Bien sûr. Et pourquoi? Tu sais que je suis au téléphone et je dois manger quelque chose avant de sortir. Où est-ce que les hommes africains ont-ils appris que c'est toujours la femme qui doit préparer pour lui le petit déjeuner? Attends, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que je dois prendre mon petit déjeuner avant d'aller au travail? Emeka, je ne suis pas ton esclave. Si tu as vraiment faim, tu n'as qu'à entrer toi-même dans la cuisine et te faire le petit déjeuner. Les hommes, c'est vrai? Donc je dois faire au-delà de mes forces avant de le satisfaire. Ceci est donc notre rapport médical de Canada. Mon fils qui vit là nous a fortement recommandé de faire un contrôle médical quand nous serons arrivés ici au Nigeria. Et à propos, nous venons tout droit du Canada. On était partis là-bas juste pour des vacances. Vous savez, mon fils qui vit au Canada, lui aussi c'est un docteur. Waouh, ça fait plaisir de savoir. Merci. Oui, non. Bébé, non. Tu sais que moi je t'aime, non. Non, hein. Hein? Oh, ne dis pas ça, ne dis même pas ça, bébé. Bébé, tu sais que tu es très belle. Hein? Avec ta forme ronde là, tu sais que je t'aime beaucoup. Hein? C'est moi, non? Qu'est-ce que tu dis encore? La seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter et puis ça va. Celui-là qui conduit la voiture, c'est mon chauffeur. C'est moi qui lui donne l'ordre, non? Et en réalité, il est l'un de mes serviteurs. Non, c'est ce que je leur dis qu'ils font, non? Ouais, bébé. C'est quoi l'argent? Guinée-Bégo. Waouh. Waouh. C'est tout ce que je peux dire. Je peux dire que je suis impressionné et étonné par ce que je viens de lire. Vous êtes tous les deux dans un grand navire. Merci, docteur. Merci. Je vous en prie. Et je dois demander, quel est le secret de cette santé étonnante à cet âge? Oh, bien, je dois l'avouer que c'est une bénédiction de Dieu. Mais aussi, ça concorde avec le style de vie que nous menons, qui exclut complètement la prise de l'alcool, fumer... Et pas d'infidélité. Tu dois faire du sport tout le jour et avoir une balance pour vérifier ton poids. Et tout le jour, tu dois consommer des légumes ainsi que des fruits. La chose la plus importante, tu dois toujours manger avec modération. Et tu dois réduire la quantité d'huile dans la nourriture. Exactement. N'est-ce pas? Mais aussi, nous nous soutenons l'un et l'autre dans tout ce que nous faisons. Et laisse-moi te le dire, avoir un objectif familial, ensemble, étant un couple, rend la vie beau à vivre. Et aussi, avoir Dieu dans ton foyer implique une bonne famille et une bonne maison. Enfin, l'hygiène, une bonne hygiène, est la clé de tout. Et pour finir, pratiquer le pardon quotidien. Vous savez, vous allez vivre longtemps comme un couple si vous deux vous avez l'habitude de vous pardonner très rapidement et que chacun d'entre vous n'a pas l'habitude de garder la dent contre l'autre. Oui. Non, ne regarde pas celle-là. Tu ne comprends pas, hein? Hein, bébé, hein? Non, bébé, ce qu'il y a là-bas est que, tu sais, non, bébé, tu sais que je t'aime beaucoup. Hein? Donc, dis oui, non. Dis oui seulement et je vais te gâter avec de l'argent. Hein? Tu vas, non?
À qui est-ce que tu es en train de parler? Non, hein? Non, dis-moi, à qui est-ce que tu dis toutes ces paroles romantiques? Quel est ce genre de bêtise? Comment est-ce que je peux qualifier ça? Je parlais avec mon père et tu es venu retirer mon téléphone. Attends, es-tu en train de me tromper? N'est-ce pas que je t'ai entendu quand tu parlais au téléphone? Tu essayes de me mentir, hein? Tu crois que je n'étais pas là? Non, tu vois cette bêtise, j'ai pas le temps pour ton harcèlement ce matin. Oh, hein? C'est ce que tu dis? On verra si tu passeras ici. Tu me diras qui est cette personne avec qui tu parlais au téléphone. Non. Tu ne passeras pas ici. Reste là. Tu dois me dire la personne avec qui tu parlais. Tu iras nulle part. Tu crois que je suis en train de blaguer? Je suis sérieuse. C'est qui cette femme? Je parle, tu me saisis par le patron. Tu vas le regretter. Écoute-os. Je connais qui tu es maintenant. Comme tu veux. Je connais qui tu es maintenant. N'importe. Non, hein. Je connais qui tu es maintenant. Et encore une chose. Vous ne pouvez pas dormir avec la colère. Tous les deux, que ce soit l'offenseur ou l'offensé, vous devez résoudre votre indifférence avant qu'il ne fasse minuit. C'est quelque chose que nous avons toujours pratiqué et que nous pratiquons. Et ça permet de solidifier notre relation et pour vivre une longue vie. Oui, exact. Et encore, il y a de cela 50 ans, ma femme et moi avons gardé la bonne habitude de faire du sport ensemble. Et jusqu'à présent, rien n'a changé. Uh-huh. On est toujours intact. Et dans tout ce que tu fais dans la vie, tu dois avoir Dieu. C'est très important. Écoutez, vous jeunes gens de nos jours, vivez juste selon des principes. Et je vous assure que la longévité ne sera aucun c'est problème. Waouh. C'est vraiment une bénédiction de Dieu de vieillir en bonne santé sans prendre beaucoup de médicaments. Je suis totalement stupéfait. Merci beaucoup pour cet aperçu. Maintenant, revenons aux affaires du jour. Que puis-je faire pour vous deux? Arrête ça, non. Écoute-toi, ça va. Attends, oh. Hey, oh. Qui va venir me séparer maintenant? Hey, oh. Ça va, non. Hey, écoute-toi, ça va. Hey, oh. Hey. Tel que je vous ai dit tantôt, mon fils a insisté qu'une fois que nous arrivons, nous allions faire un contrôle médical. Il nous avait aussi demandé de l'appeler quand nous serons avec vous pour qu'il parle avec vous. Oui. Peut-on l'appeler? Bien sûr, pourquoi pas? Pas de soucis. Il y a mon téléphone. Oui, prends-le. Le tien n'a plus de forfait. Okay. Chez moi, il y en a. Très bien. Allez, n'appelle pas le numéro qu'il utilise ici au Nigeria. Oh non, ça c'est plus 1. Ok, tu as raison. Tu crois, Mélie? Oui. Comment tu vas? Très bien, oui. Ta mère, elle est là à mes côtés et nous sommes venus voir le médecin tel que tu l'avais demandé. Oui. Oh, ok, je lui passe le téléphone. Ok, très bien. Allô? Bonjour, depuis le Nigeria. Ouais, je suis avec vos parents et ils sont vraiment formidables. Ouais. Ouais, je les écoute et pour ne pas vous mentir, j'apprends beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nonye, quel genre de femme es-tu? Une femme qui a refusé d'être esclave juste au nom du mariage. Je suis celui qui travaille. Je suis celui qui apporte de l'argent. Mais je suis celui qui ne reçoit pas de respect ou de bon traitement. Comme d'habitude. Vas-y! Fais, crie, fais tout ce que tu veux faire juste dans cette maison. C'est quoi, Emeka? C'est quoi? Les autres hommes ne donnent rien dans leur famille. Attends une minute.
C'est parce que j'ai perdu mon travail et je n'ai pas encore trouvé un autre. C'est pour ça... Tu la fermes, s'il te plaît, et ne sois pas stupide. Mais sois un réaliste. Pourquoi ne pas s'occuper de la maison? Pourquoi ne pas faire la cuisine? Pourquoi ne pas faire les travaux ménagers? Hein? C'est parce que je ne suis pas ton esclave. As-tu bien compris? C'est bon. Oh. Et pourquoi pas? Vous deux, vous êtes en bonne santé. Oh, très bien. Votre tension artérielle est normale. Oh. Donc, vous êtes libre de rentrer. Vous pouvez partir. Ok. Bien, en tout cas, merci. Vous avez bien fait. Une chose de plus avant que nous partions. Nous aimerions que vous puissiez nous prescrire quelque chose pour renforcer notre performance des lits, si vous comprenez ce que je dis. Hein? Faut que tu aies. Donc tu n'as même pas honte. Tu m'as laissé ici pour aller chercher une autre femme. Non, je ne te mens pas. Je ne cours après aucune autre femme. Que la foudre s'abatte sur ta bouche et sur ce corps qui te pousse à faire ce genre de bêtises. Menteur. La chose est que j'ai un ami dont la femme est malade. Celle que j'ai appelée pour la consoler. La consoler. Je te punira. Fou. Tu crois que je suis une enfant pour ne pas comprendre ce que tu fais? Tu m'as laissé moi Ikui. Ikui la merveille. Ikui la fraîche. Qui est bien proportionnée. Pour suivre ses petits enfants. Tu seras puni par Dieu. Dieu te punira. Attends que je souffle un peu. Tu auras ta correction. Est-ce qu'on peut reporter la bagarre? Qu'est-ce que c'est, docteur? Vous trouvez notre requête un peu osée? Honnêtement, en tant que docteur, je dois l'avouer que je suis choqué. Je veux dire, je pensais qu'à cet âge, votre vie de chambre à coucher sera en quelque sorte morte. C'est incroyable. Je suis désolé si j'ai... Oh non, ne vous excusez pas, docteur. Je dois vous dire que... Au moins, une fois la semaine, nous prions ensemble. Oui, si vous comprenez de quoi je parle. Oui, une fois la semaine, c'est nous ça. Prions ensemble. Bien sûr, avec une très grande puissance. Madame, vous dites, vous deux, vous continuez. Jusqu'à ce que la mort... Nous séparer. Exactement. N'est-ce pas, chérie? Oui. Bébé. Mon loulou. Arrête. Le docteur est là. Arrête de me regarder comme ça. Ça suffit. Oh, très bien. Arrête, s'il te plaît. Je vis quel genre de vie dans cette maison. Ma vie n'est plus heureuse. Je suis bel et bien mariée, mais je me sens seule. Juste comme deux étrangers au lit. Qui est là? C'est moi, Ndidi. Ndidi, s'il te plaît, entre. Hey. Bienvenue, Ndidi. Merci. Comment tu vas? Wow, ça fait un siècle. Non, je vais bien. C'est rien du tout. Ta réponse ne me convainc pas. Je n'aime pas les regards que tu me donnes. C'est quoi le problème, dis-moi? Ok. Voilà, ça c'est pour vous. Merci beaucoup, mon fils. En tout cas, tu as très bien fait. Je vous en prie. Merci. Merci. Il est temps pour nous de partir.
D'accord, bien. On se verra après. Ok, d'accord. Très bien. Emeka, es-tu marié? Oui, je suis marié. Oh, vraiment? Et c'est depuis quand que tu es marié? 2 ans. 2 ans? Oh, un si jeune mariage. Bébé mariage. Bébé mariage. Au fait, sois gentil et ça ira. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mes salutations à ta femme. Je ne manquerai pas. Merci. Prenez soin de vous. Ok. Merci, bébé. Je t'en prie, chérie. Allez, viens là. Merci. Une leçon si merveilleuse de ce vieux couple. Juste quelques minutes après les avoir rencontrés. Tu sais, honnêtement, Ndidi, je me sens seule et abandonnée. Malgré le fait que je sois mariée et que je vis avec un homme. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma fille. Je ne te comprends pas. Dis-moi la vérité, Nonye. Emeka s'abuse de toi? Non. Non. C'est juste que j'en ai marre. Et je ne le sens plus du tout. Ndidi, ce qui est sûr, c'est que je n'en peux plus. J'en ai marre. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rester célibataire. Je ne suis pas prête à me donner à n'importe quel homme pour rester dans une cage. Ce n'est pas aussi drôle que ça, je profite de ma vie. Ce n'était pas une erreur de m'être mariée. J'avais épousé l'homme que j'aimais et... Et si tu te sens seule? La vérité est que tu l'as fait avec empressement. Je ne crois pas à ce qu'on appelle amour, peu importe ses formes. Vous devez vous mettre tous deux ensemble pour faire face à ces choses physiquement et émotionnellement. Bébé, tu sais que tu es très belle et tu sais que tu es une personne gentille. C'est pourquoi je te supplie de me pardonner. Oh. Kai. Hein? Kaitos. Na, hein? Je veux dire que tu ne me trompes pas. C'est pas que je te trompe. Ce qu'il y a là, que il y a cette belle c'est fille. C'est quoi la vérité? Je peux le voir dans tes yeux. Donc, tel que je suis là, je ne suis pas belle pour toi. Juste parce que je suis courte. Ma taille ne te plaît pas. C'est pas que tu n'es pas courte, hein? C'est vrai que tu es courte. Mais quand bien même tu es courte, et tout le monde sait que tu es courte, mais je t'aime comme ça. Écoute, que la foudre ça batte sur toi. N'ose plus jamais me raconter encore ce genre de bêtises. Ça me vexe davantage. Non, tu sais toi, je non, te surveille de près. Non, attends. Non, hein? Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue, monsieur. Oh, très bien. D'accord. Oui? Bienvenue, madame. Oui, ça va. Merci. Okay. En tout cas, merci. Patron, bienvenue. Bienvenue, monsieur. Oh, comment t'as dit? Nous bien. Bienvenue, monsieur. Mes éléments, comment vous allez? Titus,
Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, hein. Didi, pleurer ne serait pas une solution. Ce que je cherche, c'est le moyen par lequel je peux sortir de cette situation. Tu n'as qu'à partir de cet endroit, Nonye. Ça ne sera pas aussi mauvais puisque tu n'as pas un job. Tu restes à la maison tous les jours et toutes les semaines. Sors pour t'amuser. Si je sors d'ici, où est-ce que je vais aller? Et quel amusement aurais-je dehors? Tu es très jeune pour mourir dans la solitude et dans la tristesse. Tu n'as qu'à sortir et te trouver un jeune qui va te mettre à l'aise. Et tu peux en profiter. Eh bien... Attends une minute. Si j'étais très bien écoutée, tu es en train de me dire d'avoir une liaison extra-conjugale? Bien, tu peux l'appeler comme tu veux. Une chose est vraie, que tu as besoin d'un soleil brillant dans ta vie. Et ton soi-disant mari que tu as épousé n'arrive pas à te donner ce soleil brillant. Didi, pourquoi me suggères-tu ce genre de choses? Je te montre juste comment sortir de ce sanctuaire stressant que tu appelles mariage. Libère-toi de tout ce qui te retient et profite de ta vie. Tu es très jeune pour ça, Biko. Le repas est prêt? Oui, madame. Non, commence d'abord par lui. J'oublie deux fois. Oga, que j'emmène combien? Deux morceaux, ça va aller. Ok. S'il vous plaît. Un seul morceau de patate. Pas ça. Non. Ok. Ça suffit. Merci. Oui, madame. Equitos, qu'en est-il de votre nourriture? Cletus et ton mari? Oh, madame, la mienne est dans la cuisine. Je vais me servir après. Ok, c'est bon. Doucement. Bébé, je peux avoir la fourchette? Je t'en prie. Merci. Merci, monsieur. Merci, madame. Je t'en prie. Chérie, on n'a pas encore fait la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te remercions pour ces repas. Clé, mon gars. Ah oui? Clé, mon ami, de dedans. Comment tu vas? Notre femme, je suis là. C'est comment, la nourriture est prête? Ta nourriture est là. Vraiment, comme d'habitude. Oh, et cuit. Je dis, hein, c'est Dieu qui te bénira pour tout ce que tu fais pour moi. Dieu te bénira jusqu'il n'y aura plus de place pour la bénédiction. Amen. Merci, tu as compris? Ok. Merci. D'accord. Je vais pas me de servir moi aussi à mon tour. Pas de soucis, c'est comme ça que cela est censé être, non?
Clé. C'est comment? Tu maries déjà? Où est moi ma nourriture? Ma nourriture, non. Où est moi? La nourriture est bonne. Où est la ça, mienne, c'est la mienne, non? Est-ce que tu as vu ton nom sur ça? C'est ta femme qui me l'a donné, non? Sinon, j'allais mourir depuis. Non, je pense encore manger. Non. Va demander à ta femme. Écoute, mon bébé. Écoute, mon amour. Non, la nourriture n'est pas mal, comme elle sent bon même. Bébé, viens me donner aussi ma nourriture. J'ai vraiment faim. Quelle nourriture? Ma nourriture, non. Ma nourriture. Écoute, pas de nourriture pour toi. Tu ferais mieux d'aller chez tes pétasses pour qu'elles te donnent à manger. Oui, c'est le mieux à faire pour toi. Non, écoute, je ne dis pas ça. J'ai faim, non. Tu n'as jamais eu faim. Non, Cletus. Parle à ma femme, non. Mais ça va, tu veux l'énerver encore? C'est pas que je veux l'énerver encore, mais le problème est que j'ai faim. N'ose pas mettre ta main ici. Ne me cherche pas. Ne me provoque pas. Ne fais pas ça, non. Nanya, comment vas-tu? Bienvenue. Comment a été ta journée? Parle bien, réponds-moi bien. Tu t'attends à ce que ma journée soit comment? D'accord, je ne sais pas de te rappeler de ce qui t'a mis dans une mauvaise humeur. J'essaie juste d'être un bon époux. Mon œil. Peu importe. Que Dieu ait pitié de toi. Allez, chérie. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Clairement, tu fais des choses étranges peut-être par rapport au lieu d'où tu viens. Mais je n'ai pas la même énergie. Alors, Emeka, laisse-moi tranquille. Chérie, peux-tu... Non, écoute, essaie de comprendre, non. Essaie de comprendre, ce n'est pas bien, non. Moi, en tant que ton mari dans cette maison, tu as cuisiné, tu as donné à ce simple chauffeur de la nourriture. Hein? Mais moi, tu ne m'en as pas donné. Il faut y réfléchir, Oga, non. T'as un problème avec ma nourriture? Hein? C'est quoi ton problème? Tu peux aller chez ta femme. Elle te donnera à manger. Tu m'entends? Non. Attends, qui est un simple chauffeur? Quelque chose te dérange? Tu deviens cinglé? Notre femme. Toi, ce gars, je peux t'accepter tout. Mais appeler ma femme, notre femme, ne le sait plus. Je vais te maîtriser maintenant. Qui est notre femme? S'il te plaît, Ikui, je te supplie au nom de Dieu. Ne l'écoute pas, ne lui prête pas attention. S'il a la nourriture, donne-lui. Donne-lui pour qu'il mange. En le voyant, il a vraiment faim. Hein? S'il te plaît, donne-lui. Écoute. Il est vilain, je sais. Il est noir, très très noir, je sais. Il est de petite taille, je sais ça aussi. Mais je t'en supplie, tu l'as déjà choisi comme ton mari, donne-lui à manger. Je t'en supplie. Cletus, je ne lui donnerai pas cette nourriture même si tu me supplies. Je n'ai pas de nourriture pour lui. Ou soit tu lui passes ce que tu es en train de manger. Je te demande juste pardon, je ne te force pas. En fait, si tu ne veux pas, ne lui donne pas. Mais je ne demande que le pardon. Même si c'est petit, en fait, même si c'est le restant de ce que tu as mangé, il faut lui donner. Si donne-lui ça. Encore, okay? Mettre ta main ici. Donne-lui ça. Va, écoute, je vais te blesser avec ceci. Je vais te blesser. Je vais t'enlever tes yeux. Ne m'approche pas, hein. Cletus, c'est très évident que tu veux le rejoindre. Hein? Vous savez, je vais vous rendre la vie misérable dans cette maison. Vous n'allez plus rien manger. Ce n'est pas ce que je veux dire, hein. En fait, hein, je ne suis plus dedans. En fait, ne lui donne plus. Laisse-le rester affamé. Non, que veut dire tout ceci? Non, au fait, je suis fâché. Il faut l'être. Je suis fâché. Il faut l'être. Je suis fâché. Enlève tes sales mains.
Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, ici. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire? Faut pas que je te blesse avec ceci. Hein. Tu feras quoi? Je vais te blesser dans les yeux. Hein. N'approche pas ici. Non. Je ne veux pas savoir ce qui te rend triste, mais tu devrais arrêter de rendre cette maison toxique pour moi. Oh, c'est vrai? Donc, c'est maintenant moi qui rend cette maison toxique, c'est ça? Emeka, tu n'es qu'un être humain très impossible. Et je suis fatiguée de ton comportement. Oui, je le suis. Regardez celui qui parle. Je suis celui qui travaille nuit et jour pour faire fonctionner cette famille. Mais je ne reçois que cette attitude de toi. S'il te plaît, Emeka, arrête de raconter des bêtises. Parce que tu sors des sottises. Quelqu'un qui se dit un vrai homme prend très bien soin de sa famille sans pour autant se plaindre chez quelqu'un comme un petit enfant. Tu sais quoi? J'ai fait plus que ce que n'importe qui pourrait faire pour toi. Mais tu es si déraisonnable et insupportable. Patron, c'est pas que je me fais des palabres. Mais la façon dont ma femme me traite dans cette maison n'est pas du tout bonne. Elle me traite comme un imbécile. Et qu'est-ce que tu veux? C'est parce que tu te comportes comme un moumou. Madame, vous l'avez entendu vous-même. Elle vient encore de m'appeler un imbécile. Écoutez, mais pourquoi t'adresses-tu comme ça à ton mari? Mais pourquoi est-ce que tu l'appelles moumou ou je ne sais quoi? Madame, je suis désolée. Désolée, madame. Moumou. Écoutez, qu'est-ce qu'il se passe? Oga, cet homme que vous appelez mon mari, il me fait voir le pire. Aujourd'hui même, je l'ai attrapé, en train de me tricher. Hein? Il a trouvé une autre femme dans cette même... Quoi? Ville. C'est vrai ce que tu dis? Oui, c'est vrai. Oh, tutus. Comment est-ce que tu peux tromper ta femme? Madame, ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai. Je jure Dieu, je ne trompe pas ma femme. Tchèééé! Menteur! Tu peux mentir jusqu'à ce point. Tu sais, hein, si je t'attrape aujourd'hui, n'est-ce pas que tu parlais là au téléphone quand j'étais attrapée, hein? Et donc, si je comprends bien, tu l'as surpris en train de parler au téléphone et tu as conclu qu'il était en train de te tromper. Patron, c'est le Dieu du ciel qui vous bénira pour moi. Dieu vous bénira pour moi. Il veut dire tout ça maintenant. Oh, voyons vous deux. Voyons. Écoutez, vous avez besoin de la paix, de l'amour et l'unité comme source de longévité dans votre vie de couple. Je sais que vous venez à peine de vous marier. Ok? Je sais qu'il y aura des épreuves que vous devez surmonter. Vous devez être unis comme un seul corps pour relever tous ces défis. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Titus. Monsieur? Est-ce que tu aimes ta femme? Oga. Oga, j'aime bien ma femme. N'essaie pas. N'ose pas, sinon je vais te charger de coups. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour moi? Emeka, dis-moi, au nom des dieux, qu'est-ce que tu as fait exactement pour moi? Désolé que c'est arrivé jusque-là. Sincèrement, je te dis, tu commences à m'énerver, tu commences à me faire mal à la tête. Emeka, je te dis que... Des fois, ça m'arrive de me demander comment est-ce que j'avais pu me... Non, vas-y, et finis ça. Pourquoi? Pourquoi tu m'as épousé, n'est-ce pas? C'est ce que tu voulais dire. Peu importe, tu peux bien dire ce qui bon te semble. En tout cas, ça m'est égal. Je m'ennuie tellement à avoir cette conversation avec toi. Tu sais, j'ai pensé que je pourrais venir et discuter avec toi. Mais, évidemment... Tu n'es pas normal, tu n'es pas raisonnable. Excuse-moi. Oh, Emeka, donc c'est toi qui es non raisonnable, n'est-ce pas? C'est toi qui es raisonnable, c'est ça, non? Un homme éhonté. Oh mon Dieu, comment est-ce que je me suis mariée à ce genre d'homme? Mon Dieu, comment est-ce que j'avais... Ah, j'avais pu épouser cet homme. Ah. Laisse-moi aussi te poser la même question, Equitas. Est-ce que tu... aime ton mari? Oh gars, je... Oh gars, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais il veut me rendre une maman juste parce que je l'aime. Ah, écoute,
C'est comme ça que tu me vois, non? N'est-ce pas que c'est toi-même qui as causé ça? Allez, laisse-moi, pardon. Très bien. Merci. Brisez-le, hein? Brisez-moi ce balai. Seulement moi? Non, tous les deux. Tiens. Ça ne peut pas être brisé. Exactement. Vous ne pouvez briser un balai. Vous avez tout le temps quitté vos familles pour devenir un. Et vous ne pouvez en aucun cas permettre à une personne de vous séparer. Et tout ce dont vous avez besoin d'apprendre et aimer, accepter, endurer, c'est tolérer réciproquement et se pardonner l'un et l'autre dans votre mariage. C'est la seule façon pour que vous puissiez vivre paisiblement. Et votre mariage sera le meilleur. Allez-y, vas-y doucement. Ne me presse pas. Ne me presse pas. Ne faut pas, désolé, faut pas me pousser. Ne me fais pas faire pas à la force. Je ne veux plus t'énerver. Me rendre folle. Allez, laisse-moi. Je ne veux plus suivre la petite fille. Allez, laisse-moi, je ne veux pas, non. Laisse-moi. Bon, ça suffit. Rentrez chez vous et repartez avec le balai. Que ce soit le symbole de votre amour. Ramasse-le. Je vais le prendre. Allez, ne me touche pas. N'ose pas me toucher. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Non, je ne veux pas. Laisse-moi. Tu sais quoi, bébé? L'amour rend fou. Oh, tu as raison. Pouvons-nous? Oh oui. Allons-y alors. Emeka, s'il te plaît, arrête, arrête ça. Bébé. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de dormir. Bébé, allez, je suis un homme et tu es ma femme. J'ai des besoins. Emeka, peux-tu arrêter de te comporter comme un enfant, hein? Je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par je me comporte comme un enfant? Bébé, allez, on doit faire l'amour. Allez, viens par ici. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Emeka, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi est-ce que tu m'importunes? Bébé, je ne te dérange pas, mais on doit faire des enfants et on doit avoir des rapports sexuels pour les avoir. On doit avoir le rapport sexuel? Ouais. Emeka, suis-je comme une machine à faire des enfants? Suis-je vraiment comme une machine à faire des enfants? S'il te plaît, je ne suis pas prête de discuter avec toi. Je ne suis pas prête pour ça cette nuit. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu vas avoir des enfants. Suis-je comme une machine à faire des enfants? Dis-moi. Emeka, s'il te plaît, arrête de me déranger et laisse-moi dormir. Tu as l'air si stupide et idiote, tu sais ça? Ok, bien. Je sais que j'ai l'air stupide et idiote. Je l'accepte. Et toi, tu es le Salomon de notre époque, c'est ça? Mais s'il te plaît, Emeka, laisse-moi dormir. S'il te plaît. Tania, écoute, on doit... Allez, écoute, on doit faire des enfants. Emeka, laisse-moi. On doit avoir des rapports sexuels avant de les avoir. Veux-tu me violer? Veux-tu violer ta femme?
Tu veux coucher avec moi. Mais je t'ai dit que je n'ai pas envie. Laisse-moi dormir. Ok, je trouve que tu as envie de rester seule dans cette chambre. Ok, moi, je m'en vais alors. Nonye. Eh, mec, laisse-moi tranquille. Seigneur. Nonye. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de briser ce balai. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as une fois entendu qu'on a utilisé les mains pour casser les balais comme ça? Mais ce que tu fais avec force là? Non, c'est ce que le prof a dit. Oh. Le prof a dit que personne ne peut briser le balai. Et il nous a conseillé, moi et Koutos, de ne pas nous quereller. Et que nous soyons unis comme un. Que c'est l'amour qui triomphe de tout. C'est un bon conseil que le prof vous a donné. Hein. Ça, c'est un bon conseil. La bagarre n'est pas bonne. Cessez de vous quereller. Chaque fois que vous vous bagarrez, vous vous échangez des coups de poing. Personne ne sait même pas si vous êtes des lutteurs ou des boxeurs. C'est Kuitos qui cause tout ça. Et toi? Qui est celui-là? Va vérifier. Qui est celui-là? Va voir qui est là. Non. Allez, va vérifier. Voir. Arrête cette foutaise. Regardez-moi son visage. Son visage est comme un... Petite madame. Très tous. Bienvenue, madame. Petite madame. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Madame, soyez bienvenue. Oui, ça va. Comment vous allez? Bien, merci. Bienvenue, merci, madame. Merci beaucoup. Où sont mes parents? Ils sont à l'intérieur. Okay, ils sont à l'intérieur. D'accord. Bienvenue. Bon. Merci. On nous a réservé à manger. Hein. Kyrie, avec toi. Va à ton poste de travail. Mais tu n'aimes qu'à manger, non? Allons-y, on nous a réservé à manger. Non, regarde-le-moi. Ce n'est pas tout ce que tu sais. Va à ton poste de travail. Allons manger d'abord. Regarde-le-moi, va à ton poste. Tu veux refuser à manger aujourd'hui? Est-ce que je ris avec toi? Va à ton poste de travail. Viens. Regarde-le-moi. Non, hein? Princesse, comment tu vas? Ça va, maman. Ça se voit. Oui. Et comment vont tes enfants et ton mari? Ils vont tous bien, merci. Très bien. Vous avez une bonne mine, hein? Tu es sans ignorer savoir comment ça se passe. Je prends très bien soin de ton père. Oh, il ne faut pas suivre ta mère. Je fais le travail d'un héros pour m'occuper de ma femme. Regarde-la, tu la vois? Regarde ses cheveux. Mais c'est vrai. Mais de quoi parlez-vous, juste là? Juste, regarde-le. Il ne veut plus du tout faire du sport. Il refuse. Tout ce qu'il fait, c'est manger. En réalité, je fais du sport quand je suis en train de m'occuper d'elle. Allez, arrête ça toi aussi. Écoutez, je ne me laisserai pas emporter aujourd'hui par votre kata-kata. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Le plus important, c'est que je vous ai trouvé en forme. Merci. Merci. Je suis très contente de vous voir. Mais, maman, oui. Vous ne m'avez pas appelée tous ces jours, hein? Ce n'est pas juste. Oui, ça c'est parce que je m'occupe
tout le temps de lui. Hein, oh, écoute, ma chère, simplement mais parce que... à propos, nous te rendrons une visite surprise. Vraiment, juste, hein? De manière simple, pardonne-nous. Point final. Ok, d'accord. Je ne saurais me fâcher contre mes parents. Mmh. Oui. Je vous pardonne. Beaucoup mieux. Alors. Merci beaucoup, père. Je t'en prie, mon frère. Honnêtement, père, j'ai vraiment souffert dans les mains de votre sœur. Elle est totalement devenue irrespectueuse. Elle ne fait pas la cuisine, elle ne fait rien dans la maison. Je veux dire, je vais aller au boulot, je vais retourner dans une maison vide. Et à chaque fois que j'essaie de la raisonner, tout ce qu'elle fait est de s'enflammer. Elle ne me sert rien d'autre que des insultes. Tel que tu es en train de le dire, tout ça paraît très étrange pour moi. Je ne l'ai jamais connu de cette façon. Père, vous devez voir vous-même ce que Nonia est devenue. Je veux dire, elle n'est plus cette femme que j'ai épousée. Et mec, à quelque chose s'est-il passé dans ta vie de prière pour ce changement soudain? Non, on n'a jamais eu aucun problème. Elle a juste changé à ce que je ne comprends pas, du jour au lendemain. Tout ça est incroyable. Maman? Oui? Comment se sont passés avec les préparatifs? Quels préparatifs? De ces projets-là, non, tu as oublié? C'est les préparatifs dont tu parles? Bien sûr. Nous irons juste rendre visite à tes frères en Allemagne. Et après, nous irons aux États-Unis. Nous ferons également un tour au Canada pour finalement rentrer à la maison. Et pour ça, dans chaque pays que nous allons poser nos pieds, nous y resterons durant un mois avant de passer à un autre exact. Pays. Alors, regardez-vous. Vous en profitez vraiment, je vous envie. Je vous jure. Mais c'est toi qui as refusé de voyager. Honnêtement, tu dois remplir ces faux. C'est quoi, ta chérie? Formulaire. Oui, formulaire de voyage. Ma fille, tu ne sais pas ce que tu rates. Voyager est la meilleure des choses que tu peux. Je ne supporte pas être dans un aéroport, à combien plus forte dans un avion. Je ne peux pas, je ne suis pas intéressée. Tu ne sais pas ce que tu rates. Nous, par contre, ça nous plaît, n'est-ce pas? C'est ça. Oh, bébé. Allez dans votre chambre. Ça, c'est notre maison, ma Ça, c'est notre maison. Rentre chez toi. Êtes-vous en train de me chasser dans la maison de mes propres parents? S'il vous plaît. Mon cher frère, s'il te plaît, j'aimerais te supplier. Vas-y doucement avec Nonié. Je n'ai pas pu m'excuser pour son attitude dernièrement. Je l'appellerai et je causerai avec elle. Père, s'il vous plaît, aidez-moi à lui parler. Savez-vous ce qui me fait mal de plus? Elle a refusé d'avoir toute forme d'intimité avec moi depuis un an. Tu n'es pas sérieux, j'espère. Ma femme a ouvert sa bouche et m'a dit qu'elle n'est pas une machine à produire des enfants et qu'elle ne veut pas avoir d'enfants avec moi. C'est incroyable, ça. Je ne puis croire que cela vienne de ma propre sœur. Ah. Ta fille a toujours été ta préférée, je le sais bien. Ah, ok. Mais il n'y a pas moyen que je vive sans toi. Tu vois. Allez, maman. Oui? Je crois qu'on se reverra à l'aéroport le lundi prochain. Pas de soucis, et nous serons à l'heure. Comme toujours, soyez à l'heure. Très bien, ma fille. Passe mes salutations à ton mari et à mes petits-fils. Je le ferai sans faute. Ok, d'accord. Oui. Laissez-moi me dépêcher. Je dois arriver à la maison avant la nuit. Très bien. Prenez soin de vous. Toi aussi. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye. Thank you.
Mon cher frère, la paix va revenir dans ton mariage. Honnêtement, mon père, j'ai besoin de la paix. Tout ceci commence à vraiment m'affecter en mal. Dieu ne dort jamais. Je lui parlerai après que je l'ai fait. Tu verras par toi-même comment tout va redevenir comme avant. Merci infiniment, mon père. Merci de m'accorder cette audience. Il n'y a rien, mon frère. Bonne journée, mon père. Grand frère. Waouh. Ma soeur bien-aimée, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, grand frère. Tu as manqué Emeka, il vient de partir à peine. Oh. Donc il est venu encore se plaindre comme d'habitude. Que veux-tu dire? Grand frère, qu'est-ce que Emeka peut encore faire? Si ce n'est que se plaindre à tout moment comme une femme enceinte. Je t'en prie, entre. Grand frère, tu es beau. Oui. Écoute-toi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Non, ma, non, il n'y a rien. Écoute, ne te donne pas la peine d'essuyer tes larmes. Je les ai déjà vues. Qu'est-ce qui se passe? Madame, je ne sais plus ce que je ferai cette fois-ci. Il ne m'aime plus. Il paraît busy dans ses histoires. Je suis seule dans toute cette parcelle. Non, il ne s'occupe pas de moi. Je sais que tous les deux vous n'avez pas le temps et que vous êtes très occupée. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Madame, je ne sais même plus comment parler, je ne sais même plus quoi dire. La façon dont il me traite, ça ne me va pas du tout. Ok, je vais parler avec lui. Il serait mieux que tu arrêtes de pleurer. J'ai pas envie que tu tombes malade. Madame, je suis déjà malade, vous ne voyez pas. Je ne sais plus ce que je peux faire pour qu'il m'aime encore, je ne sais plus. Ça suffit, arrête de pleurer. Ça va aller. C'est bon, essuie tes larmes, arrête de pleurer. Sache que ton tutus t'aime beaucoup, alors arrête de faire ça. C'est bien moi qui dors dans le même lit que cet homme. Il m'évite. En effet, je veux dire qu'il me rejette. Et j'en ai marre et je suis très fatiguée. Ce mariage me rend malade. Noni, je suis surpris des mots sortant de ta bouche à propos de l'homme que tu as aimé épouser. Grand frère, qu'est-ce que j'ai dit maintenant qui n'est pas la vérité? Regarde seulement la façon dont tu fais référence à ton mari. Cet homme, vraiment, cet homme. Je m'attendais à mieux que ça venant de toi. J'ai juste parlé avec l'abondance de mon cœur. Ce que je remarque comme problème est que tu es devenue très désobéissante à ton mari. Et tu as l'air d'avoir perdu cet amour pour lui. Mais c'est impératif que tu te soumettes à cet homme que Dieu t'a donné comme époux. Grand frère, ça, ce n'est pas le problème maintenant. Quel est le problème exactement? Emeka a changé. Ce n'est pas Emeka qui a changé. Mais c'est plutôt toi. Écoute, Nonié. Je ne suis pas que ton frère biologique. Je suis ton prêtre. J'ai remarqué un changement chez toi, dis-moi. Es-tu malade?
Non, madame, je ne suis pas malade. Mais je vois qu'on dirait qu'il y a un bébé qui commence à venir. Tu es enceinte? Oh mon Dieu! Nous devons nous rendre à l'hôpital tout de suite. Ils doivent t'examiner. Aujourd'hui même? Tout de suite. Maintenant? Maintenant. Écoute, le docteur doit t'examiner tout de suite. Nous devons être sûrs que tu es enceinte. Et le reste, nous le saurons plus tard. Dis-moi, as-tu déjà mangé? Et où? Est-ce que ton mari est au courant de ça? Non, madame, je ne le lui ai pas encore dit. Ok, c'est bon, ne te dérange pas. Nous partons à l'hôpital. Va directement à la maison changer de tenue. Moi aussi, je pars me changer et je te conduis directement à l'hôpital, ok? Allez, vas-y. Hé, ne cours pas. Vas-y doucement. Doucement, ok? On ne veut pas que quelque chose arrive à notre bébé. Je pars me changer rapidement, j'arrive. C'est bon, vas-y doucement. Et que voulais-tu dire quand tu disais à ton mari que tu n'es pas une machine à faire des bébés et que tu n'étais pas prête d'avoir un enfant avec lui? Mais grand frère, suis-je une machine à faire des enfants? C'est à moi que tu demandes ça, Anonier. Sérieux? Grand frère, comme je l'avais dit à Emeka, je ne suis pas prête à porter une grossesse. Lorsque le moment viendra, je le ferai. Si maman et papa étaient vivants aujourd'hui, aurais-tu eu l'audace de dire cela? Ok. Grand frère, regardons ça sous une autre forme. Je ne suis pas prête émotionnellement pour avoir un enfant. Et nous ne sommes pas stables financièrement pour ajouter quelqu'un dans notre famille. Tu sais très bien que je n'ai pas de travail et Emeka n'a pas vraiment assez d'argent. Alors comment pouvons-nous commencer à parler des enfants? Comment? Tu marques un point là. Mais l'as-tu expliqué à Emeka de la façon dont tu viens de le faire avec moi? Grand frère, tu ne connais pas Emeka. Tu ne le connais pas du tout. Emeka est un homme qui ne raisonne pas. Tu ne le connais pas. C'est ça le problème. Tu échappes au problème. Non, tu ne devrais pas faire ça. Tous deux, vous êtes partenaires. Tu devrais lui parler et arrêter d'utiliser de tels langages pour discriminer ton mari. J'ai entendu. Alors, c'est quoi le résultat, docteur? Elle est vraiment enceinte. Oh mon Dieu! Elle est enceinte? Oui, madame. Écoutons, tu es enceinte? Oh, c'est vraiment une bonne nouvelle. En fait, elle est enceinte de 3 semaines. 3 semaines? Donc, je suggère qu'elle commence par prendre soin d'elle-même. Okay. Et s'inscrit pour la consultation prénatale dès que possible. Je vais l'inscrire à la consultation prénatale. Et je prendrai bien soin d'elle. Je suis là et je m'occuperai d'elle. D'accord, d'accord, vous êtes toujours les bienvenus. Je suis content qu'elle est dans des bonnes mains. Oh, si tu le dis. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. J'y crois maintenant. D'accord, s'il vous plaît. Oui. Saluez-moi, prof. Oh, considère que c'est fait. D'accord. Merci. Partons. Non, 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 non. Doucement. Tu es enceinte. Vas-y doucement. Oui, comme ça. Comme ça, oui. Docteur, au revoir. Attends. Titus? Patron. Tu dois montrer à ta femme que tu l'aimes. Tu ne te limites pas seulement à lui dire. Tu dois lui montrer que tu l'aimes en prenant soin d'elle. Et toi aussi, Equitos. Madame. Tu dois aussi apprendre à aimer ton mari. Tu ne peux quand même pas employer des mots méchants quand tu t'adresses à lui. Si tu es énervé, essaie d'abord de te calmer. Et c'est plus tard que tu pourras peut-être t'expliquer. Madame, je suis désolé pour la façon dont je traite ma femme. Je promets que ça ne va plus se passer. Mais dis-le lui. Ne nous dis pas, dis-le lui. Omalicham. Assam. Obim. Obim. Adogwam. L'amour de ma vie. Je suis désolé pour la façon dont je te traitais. Je te promets que je ne vais plus le faire. Une chose de plus, je vais également changer ton nom de Écoutons. Je vais désormais t'appeler Écoute Baby. Kai. Kai.
suis désolée de ce qui s'est passé. Tu sais bien que je t'aime autant, c'est pourquoi tu es en train de me vexer à tout moment. Ça touche mon cœur. Et voilà, vous pouvez maintenant voir, dans la paix et dans l'harmonie, vous pouvez maintenant attendre votre bébé à naître. Oui, et autre chose, Tutus, elle doit être assistée. Maintenant que nous attendons un bébé, telle qu'elle est là, elle doit être chérie. J'espère que tu me comprends. Oui, madame. Equitos. Madame. Je vais t'enregistrer à la consultation prénatale avant notre voyage. Ah, chai. Allez, arrête de dire chai. Merci, c'est madame. Bon. Je suis très contente. Vous faites tellement beaucoup pour moi. Ah, j'ai dit pour moi. Pour nous. patron. Et madame, c'est seul Dieu du ciel qui vous bénira pour ces choses merveilleuses que vous faites pour Amen. Nous. En fait, Dieu nous a bénis pour que nous soyons également source de bénédiction pour ceux-là qui ne sont pas privilégiés. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci, patron. Très bien, très bien. Merci, c'est madame. Bon. C'est bon, je crois que vous pouvez partir maintenant. Va devant. Doucement, rappelle-toi, elle est enceinte. Vas-y doucement. C'est bon. Et pourquoi tu me touches comme ça? Où vais-tu en vie? Chérie. Arrête. Ah, écoute, il y a un message. Les rideaux de la fenêtre n'est pas tellement bien posé. Toi, va le faire comme il se doit. S'il te plaît, viens m'aider. Je ne peux pas le faire. S'il te plaît, viens m'aider. Je ne le ferai pas, désolé. Y a-t-il quelqu'un de la maison? Bébé? Comment ça va? Oh, s'il te plaît. Monsieur le plaintif, es-tu de retour? Et qu'est-ce que cela est censé être? Tu sais, je pensais qu'après avoir passé chez mon grand frère pour se plaindre, tu pouvais aussi aller voir ma sœur pour te plaindre aussi. Nonye, peux-tu arrêter cette folie? Je veux dire, pourquoi tu rends cette maison toxique? Nonye, tu rends cette maison toxique. Emeka, pourquoi est-ce que tu ne sais que te plaindre comme une femme paresseuse qui est enceinte, qui ne sait que le faire à tout moment? Honnêtement, tu as besoin d'un exorcisme. Et je ne peux pas me rabaisser aussi bas avec toi. Je veux dire, j'ai passé une journée si mouvementée. Donc ce dont j'ai besoin maintenant est d'y entrer, prendre ma douche, manger et me reposer. Bien sûr! Qu'est-ce que tu sais encore faire, Emeka? Qu'est-ce que tu sais encore faire, monsieur Emeka? Ce n'est que se laver, manger et puis dormir. Oh! Tu n'es qu'un homme vraiment paresseux. Je ne comprends pas cet homme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette vie. Nous te demandons de garder le prof puisqu'il veut voyager au Canada. Envoie tes anges devant eux pour les guider et derrière eux pour les protéger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon Père. Non, ne fais pas ça, non, ne stresse pas mon bébé, non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te stresses? Ah, je ne suis qu'en train de balayer, tu vois pas comment partout si c'est ça. Je sais que tu es en train de balayer, je sais que la cour est sale. Mais ce qu'il y a là est que hein, tu portes mon prince, hein, c'est mon bébé que tu portes dans ton ventre. Dain, tu sais que je ne suis pas une femme paresseuse. Je sais. J'ai toujours été une travailleuse, oublie ces ventres. Ça va aller. Moi aussi, je sais que tu es galante, bien, bien. Mais pour le moment, dans cette maison, tout ce qui est stressant, non. Ne le fais plus dans cette maison. C'est moi et Clétus qui ferons tous les travaux. C'est nous qui allons faire toutes choses. Tout ce que je veux que tu fasses dans cette maison maintenant, c'est de manger, dormir et te reposer. C'est tout ce que tu vas faire. Mais gâte pas, Oh, tu parles de dorloter, je n'ai même pas commencé. Bientôt, c'est moi-même qui vais te toucher. Hey, l'amour a pris de zèle, t'es sérieux? Oui, non. Ha, l'amour s'exprime. Tu sais que
tellement mourir. Ne le fais plus. J'arrête de balayer. Je vais balayer pour toi maintenant. Tu peux le faire. Quand je balaye un peu, je fais aussi. Tu veux te stresser? Ne te coupe plus dans cette maison pour balayer. Mon amour s'exprime. Ta nourriture. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas faim. Emeka, que veux-tu dire par « tu n'as pas faim » ? Que veux-tu dire exactement ? « Je n'ai pas faim » veut dire « je n'ai pas d'appétit pour manger ». Pourquoi tu me forces à manger ? Emeka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Si seulement je ne prépare pas pour toi, tu vas circuler partout et raconter que Nonni n'a pas préparé pour moi aujourd'hui. Et maintenant que j'ai préparé pour toi, tu es en train de me dire que tu n'as pas faim. Emeka, mange ta nourriture. Nonni, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi créer des problèmes là où on ne doit pas y avoir? Ce n'est même pas que tu te soucies si je mange bien dans cette maison ou pas. Seul Dieu sait le type du diable qui a pris contrôle de toi afin que tu entres tout d'abord dans la cuisine pour devenir chef du jour au lendemain. Emeka, tu es vraiment un homme fou. Je ne te blâme pas, oh. Je me blâme pour avoir passé mon temps inutilement pour préparer pour toi. C'est alors que tu ouvres ta bouche pour me dire que tu n'es pas intéressé pour la nourriture. Bien, mon cher mari, moi je t'ai servi. Si seulement tu veux, mange-le. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à laisser. Nonié s'en fout. Dieu honnit toujours le diable. Et puis, la belle. Claire. Et puis, l'incomparable. Laisse-moi, pardon. Comment ça va? Oui, ça va. C'est comment? Ventre creux, hein? Aucun espoir? Ah, je n'ai pas préparé, oh. Mais pourquoi? C'est moi qui lui ai dit de ne pas entrer dans la cuisine, non? C'est moi qui lui ai dit de ne pas faire la cuisine. Tu lui as dit de ne pas entrer dans la cuisine? Ouais, non. Tu ne sais pas que ma femme est enceinte. Je ne veux pas qu'elle fasse quelque chose qui lui stresserait du tout. Alors, je veux qu'elle se repose, Jelly. Je sais que ta femme est enceinte. Je ne suis pas aveugle, je le vois. Alors, comment nous allons faire, toi et moi? Toi et moi irons dans la cuisine pour faire ce qu'on va manger, non? On va entrer dans la cuisine. Ouais, non. Moi, entrer dans la cuisine. Tu m'as une fois vu dans la cuisine. Tu veux manger, mourir? On va la prendre aujourd'hui, non? Ouais, non, là, non, hein. On va la prendre aujourd'hui. Allons la cuisiner pour essayer. Allons-y, non. Allez, laisse-moi, je refuse. L'amour de ma vie. Allons. Allons la cuisine pour préparer. D'accord, allons-y, allons-y. Allons dans la cuisine. Ok, allons la cuisine. Mais reste devant, non. Ma femme pour la dernière fois. Adore Guam. Tu n'es pas le seul qui a faim. Adore Guam. Vas-y, mon frère. Mon rayon solaire. Laisse-moi, oh. La joie de mon cœur. Préparez, je vais manger. Adore Guam. C'est bien moi. Adore Guam. C'est bien moi, oh. La fierté de ma vie. Aïdé, oh. Non, hein.
Honnêtement, Nonier, ça m'étonne que tu t'en fous comme ça et tu fais le sourd d'oreille. Didi, le fait que tu sois mon ami ne t'autorise pas de m'insulter de la sorte. Je ne suis pas en train de t'insulter, ma chérie. Regarde-toi. Tu deviens pratiquement l'image de ton ombre, mon ami. Hein? C'est quoi? Tu n'es pas celle qui porte ma chaussure. Ces choses ne sont pas si faciles comme tu les penses. Bouge, ma chérie. Va un peu loin. Éloigne-toi un peu de ces toits. Ne vois-tu pas? Ce mariage est pratiquement en train de te ruiner. Didi, tu connais très bien ma famille de provenance. Les catholiques n'autorisent jamais, jamais le divorce. Pour plus de précision, mon grand frère est un prêtre. Ma grande sœur, une sœur. Qu'est-ce que les gens vont dire si je divorce d'Emeka? Et qu'est-ce que les gens diront si tu mourrais dans cette maison que tu appelles mariage? Tu vois pourquoi j'ai dit que tu t'en fous? Je te blâme, Nonier. Je te blâme sincèrement. Comment ça? Pourquoi tu dis ça, mon grand frère? Est-ce que c'était moi qui étais en train de conduire? C'était moi qui étais au volant? Tu l'as poussé à l'ivrognerie. Comment ça, grand frère, c'est moi qui suis à la base de tout ça? Comment est-ce que je pouvais le faire? Je t'ai dit de laisser la paix entrer dans votre maison.
Je t'ai dit de ne pas laisser entrer le diable. Mais tu as préféré me désobéir, délibérément. Tu as ouvert la porte et laissé entrer le diable. Grand frère, pardon, s'il te plaît. Prie pour mon mari, je t'en prie. Je veux qu'il soit en vie, grand frère, qu'il ne meure pas. J'ai besoin de lui. Dieu ne permettra pas à ce qu'il meure. Mais j'ai bien observé ce problème minutieusement. Quel est exactement le problème qui se trimballe entre toi et ton mari? En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé. Je ne sais même pas comment expliquer. J'ai seulement besoin de mon mari. Je ne veux pas le perdre. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Tout ira très bien. Monseigneur, j'ai déjà prêté ton petit déjeuner. J'aimerais que tu manges avant d'aller au boulot. Je suis déjà en retard. Je mangerai à l'hôpital. Arrête ça, Emeka. Tu sais que tu dois manger. Ce n'est pas... Je n'ai pas faim. S'il te plaît. Nous y sommes. Oh. Vraiment. Bienvenue, monsieur. Merci. Soyez les bienvenus, messieurs. Bienvenue, madame. Écoutons. Nous devons remercier Dieu pour toi, en tout cas. Regarde-toi. Bienvenue, monsieur. Oh, merci. Soyez les bienvenus. Merci. Très bien. Allez, partez mettre ça. Prends ça et amène ça à l'intérieur. Allez, mets-toi. Bienvenue, monsieur. Bon retour au Nigeria. Merci. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Ouais, bien sûr. Nous avons aimé notre séjour en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Et je me suis réjoui de chaque seconde, n'est-ce pas? Oh oui, c'est exact. je suis vraiment désolé. Elle, c'est ma dernière enfant et mon unique fille. C'est une avocate. Elle est mariée et elle a des enfants. Son mari est un ingénieur. Waouh. Elle s'appelle Rena. C'est formidable. Merci, Doc. Je vous en prie. À santé. Plaisir de vous rencontrer aussi. Noni, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis contente parce que tu es là. Viens t'asseoir. Mets-toi, ma chérie. Noni, c'est quoi? Tu as l'air troublée. Ta voix au téléphone n'était pas aussi calme. Didi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps. Je n'arrive pas à comprendre. Après cet accident, Emeka a changé totalement. Il vit pratiquement dans la solitude. Et cela me dérange beaucoup. Je n'arrive plus. S'il te plaît, aide-moi, ma chérie. Donc, tu nous retournes encore dans tes plaintes, hein? Ah, Ndidi, j'aime Emeka. Je l'aime de tout mon cœur. Je pensais qu'après cette situation, il va toujours continuer à m'aimer. Je ne savais pas que ça allait arriver ainsi. C'est très évident qu'il ne s'intéresse plus à toi. Ah! S'il te plaît, c'est ce qui me fait vraiment peur. Ndidi, s'il te plaît, je ne veux pas du tout perdre mon mari. Aide-moi. Dis-moi comment reconquérir son cœur. Tu dois trouver une solution rapide. Oui. Rapide? Mm-hmm. Et comment je vais le faire? Ok, bien. Je vais t'emmener dans un endroit. Après un petit sacrifice, tu verras que... Es-tu en train de me dire de pratiquer le fétiche?
C'est bien de les savoir. Ça, c'est bon. Merci beaucoup, docteur. Nous irons d'ici là. Mais avant que nous ne partions, j'aimerais que tu nous donnes ce médicament de renfort que tu nous avais donné la fois passée. Hein? De quel médicament parles-tu? Vos parents demandent des boosters de sexe. Sexe quoi? Daddy, tu veux tuer notre maman? Vous l'avez fait dans toutes vos 50 années. Vous en êtes pas fatigué? Ah, docteur, ne vous occupez pas d'eux. Non, non, ne faites pas ça. Ne donnez pas ces médicaments. Je ne vais pas être là et rester calme en train de voir papa en train de tuer maman. Oh, s'il te plaît, docteur, donne à mon mari ce qu'il te demande. C'est très évident que certaines personnes ne savent pas faire la différence entre le mariage et la famille. Ok? Donc, peu importe ce que mon mari te demande, donne-les lui. Laisse-le me tuer. Et compte à toi. Je n'interfère pas dans ton mariage. Reste loin du mien. Peu importe ce qui se passe dans mon mariage, c'est pas tes affaires. Oh, 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 attends. Oh, puisque tu es ma fille, tu penses que tu peux juste nous séparer? Et, s'il te plaît, tu n'es qu'un membre de la famille. Ok? Ce mariage, c'est entre ton père et moi. Et ça, c'est jusqu'à ce que la mort puisse nous séparer. Donc, madame, alors, mêle-toi de tes affaires. Maman, qu'est-ce que vous voulez dire par ce mariage est entre vous deux? Eux autres ne sont que les membres de la famille. Donc, ils ne peuvent pas s'immiscer dans votre vie de couple. Oh, qu'est-ce que sûr. Vous voulez dire par là? Docteur, le mariage est l'union de deux personnes. Alors, et c'est pour cette raison que l'homme quitte sa mère et son père juste pour aller vers sa femme. Exact. Et ils deviendront deux. Et les deux doivent lutter pour former une seule chair. Une seule chair. Honnêtement, grand frère, je ne sais pas ce qui est arrivé. Juste après cet accident, il est totalement devenu différent. J'avais abandonné mon mauvais comportement. Et je m'étais investie de tout faire pour lui, pour qu'il se sente quand même aimé par moi. Mais Emeka n'est fait que m'ignorer. Nonye, je te blâme pour ça aussi. Tu avais rallumé ce feu en y jetant du bois. Je sais, grand frère. Je sais, grand frère. Mais j'avais déjà abandonné mon comportement. J'avais demandé pardon. Grand frère, s'il te plaît, aide-moi à supplier Emeka. Je ne veux pas perdre son amour. Je ne veux pas. Arrête de pleurer, ok? Je te conseillerais d'aller à la maison. Ok? Tu le connais très bien. Conquis son cœur. Ok? Et va droit au but et vois comment est-ce qu'il va réagir. Ok? Arrête de pleurer. Ok? Les enfants ne peuvent pas interférer dans les histoires des couples. Et les couples doivent veiller sur ça. Toi et ta femme, vous êtes les seules personnes qui formez le mariage. Tout ce qui vous rend heureux à 100%, c'est vos affaires. C'est ça. Wow. Une autre grande leçon que j'ai apprise aujourd'hui, je dois le dire. Vous voyez, ils ont gagné. C'est comme ça à chaque fois. Ils me remportent toujours. Docteur, donne-leur tout ce qu'ils veulent. Et voilà. Comment vas-tu? Bébé. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît. S'il te plaît, je te demande pardon. Je t'en prie au nom de Dieu. Je sais que je me suis comportée en mauvaise femme. Oui. Je t'avais poussé à réagir. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai réalisé mes erreurs.
S'il te plaît, j'ai réalisé mes erreurs. Pardonne-moi, je t'en prie au nom de Dieu. S'il te plaît, chérie, je demande ton pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Lève-toi. Je demande pardon. Je n'ai rien contre toi. Et je t'ai déjà pardonné. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je suis fatigué. Je ne suis pas d'humeur. Emeka, s'il te plaît. Je t'en prie. Je suis ta femme. Tu peux commencer à me traiter de la sorte. Je ne suis pas intéressé. Ah, Emeka. N'est-ce pas que tu m'avais pardonné? Je n'ai aucun problème avec toi. Mais je ne veux pas avoir de rapport. Mais tu veux me violer? Hein? Emeka, non, Emeka, ce n'est pas juste ce que tu fais, ce n'est pas juste, Emeka. Laisse-moi, Emeka, oh, non, c'est pas attends, normal. Attends, mon ami. Prends l'oreille, fais l'amour avec ça. C'est quoi tout cela? Monsieur le docteur, bienvenue. Merci. Est-ce que le prof est là? Patron, elle là-bas. D'accord. Welcome, hein? Bien, mon cher Emeka. Ton comportement a déjà trahi ta pensée. Prof, je veux vraiment savoir, quel est le secret de votre mariage? Comment avez-vous pu rester en mariage durant 50 bonnes années? Ça n'a pas été un voyage si facile. Mais nous en arrivons là à cause de la patience, la tolérance, la compréhension. Et cette capacité à trouver des raisons pour nous aimer de plus en plus, jour après jour. La persévérance est très importante. Vous devez persévérer et trouver un moyen de vous réjouir de chaque seconde que vous passez ensemble. Le pardon aussi joue un très grand rôle dans ça. Tel que je t'avais dit la fois passée, nous faisons de notre mieux pour ne pas être en colère contre l'autre avant de dormir. Oui. Peu importe le problème, on les règle toujours avant de passer un autre jour. Peu importe la gravité du problème, il faut savoir pardonner. Tu te rappelles ce vœu que tu as prononcé à l'église lors de ton mariage? Ce n'est pas de la magie qui rend les choses merveilleuses. Toi ainsi que ta partenaire, vous devez vous rappeler l'un à l'autre l'importance de ce vœu. Et cela chaque jour. Et tu sais quoi? Ce qui est très important est que vous devez avoir Dieu. Exactement. Dans votre couple. Sinon, ça ne marchera jamais. Jamais.
Oh, Padri, je ne savais pas que vous seriez là. Oui, elle m'avait appelé, je devais venir immédiatement. Mon frère, je suis venu me joindre à ma sœur pour te supplier et demander ton pardon. Elle a réalisé ses erreurs et elle demande ton pardon. Mon amour, s'il te plaît, je reconnais t'avoir offensé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je lui ai déjà pardonné. Je n'ai aucune rancune envers elle. Merci beaucoup. Rien ne vaut plus que la paix dans le mariage. Merci, mon amour. Je te promets que jamais je ne vais plus jamais t'offenser un jour. Je te promets, chérie, je ne les verrai plus jamais. Je sais. Je veux aussi te dire quelque chose. Et Dieu merci, Padre, vous êtes là. Je veux un divorce. Grand frère, s'il te plaît, parle à mon mari, je t'en prie. Grand frère, je l'aime de tout mon cœur. S'il te plaît. Sincèrement, je suis choqué et confus comme toi. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir si seulement il me quittait? Qu'est-ce que je veux faire? Ceci ne va pas être facile du tout. Je pense que maintenant nous avons besoin de la sagesse. Nous devons croire en Dieu. Grand frère, s'il te plaît, supplie-le pour moi, je t'en prie, grand frère. Je n'ai pas envie de le perdre. Je promets. Je promets de ne plus jamais le refaire, grand frère. Je te promets que je change. Dis-lui que j'ai changé. Qu'il me pardonne, s'il te plaît, grand frère. Aide-moi, je t'en prie. Parle avec lui, grand frère, s'il te plaît. Mon frère, je sais que tu es un homme pour faire marcher ce mariage. Ne me prends pas pour ton beau-frère, mais pour un prêtre en la foi, afin de donner une chance à la paix. Padre, j'ai beaucoup de respect et de considération pour vous. Pas seulement en tant que mon beau, mais pour le bien de la position que vous occupez. Mais dans ce cas, je suis celui qui porte les chaussures et je sais comment elles me servent. Je comprends parfaitement. Mais je veux que tu vois ceci comme un test de ton amour pour elle. Je crois qu'avec Dieu, toi aussi, tu finiras par l'aimer. Père, je suis émotionnellement épuisé. Ma santé mentale est affectée et je ne veux pas mourir jeune. Honnêtement, Père, Nonye et moi ne sommes pas compatibles. Honnêtement. Nous ne le sommes pas. J'ai demandé au prof ainsi qu'à sa femme de m'aider à résoudre ce problème aujourd'hui. Parce que je sais très bien que les deux sont un couple modèle dans cette communauté. Et leur implication à ce problème va nous aider à résoudre ce qui doit être résolu. Merci beaucoup, Père, pour ce compliment. Emeka et Nonye, je sais très bien que, en réalité, le mariage est dur. Et en fait, dans le mariage, il n'y a pas de lit de rose. Exact. Je veux dire, il est question de deux personnes différentes venant de deux familles différentes qui se mettent ensemble pour former une rangée. Et par-dessus tout, ils vont se faire des promesses. Du genre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est aussi le cas pour vous. Vous ne pouvez aller nulle part si ce n'est pas que dans votre mariage.
Tu vois, souvent les gens viennent me poser la question de savoir comment ma femme et moi avons été capables de rester ensemble pendant 50 ans. Mais quand tu étais là, tu nous as posé la même question. Et pour répondre à cette question, nous t'avions presque tout dit. Vous savez, pour votre information, le divorce n'est pas du tout une solution. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous, par hasard, serait sorti avec un autre partenaire? Non, jamais. Je ne l'ai jamais trompé. Et je puis jurer qu'elle ne m'a jamais trompé aussi. Oh bien, alors, nous n'avons pas de situation ici qui peuvent nous déranger, que nous ne pouvons pas pardonner et avancer, tout en faisant de notre mieux à fournir des efforts chaque jour pour que cette relation marche. Nous n'en sommes pas à ce niveau, n'est-ce pas? Et comme la Bible le dit, la bonté de Dieu dure à jamais. Sa bonté dure éternellement. Elle se renouvelle chaque matin. C'est comme cela que votre amour doit être. Chaque jour. His steadfastness, all the Lord never ceases. His mercy is never come to an end. They are new every moment, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pour les jeunes qui se préparent à se marier, il n'existe pas de formule pour réussir une relation. Vous devez créer la situation qui fera réussir votre mariage. C'est tout. Aucune femme n'est parfaite, aucun homme n'est parfait. Nous aimons nos épouses. Nous faisons tout pour les protéger. C'est ça notre culture. C'est ça notre tradition. C'est l'homme qui succède au père et non la femme. L'homme blanc ne se soucie pas de savoir s'il a un fils ou pas. Mais pour nous, si tu n'as pas un fils, tu as un problème. C'est pourquoi quand nous avons un fils, nous le nommons Afame Funa. Amame Fula. Tout cela signifie tout simplement que un fils doit succéder au père. Même avant que l'homme blanc n'arrive, nous avions un système traditionnel de gouvernement qui est démocratique. Ça s'appelle la gérontocratie dans le gouvernement des classes d'âge. C'est le système des classes d'âge, d'accord? Nous l'avions avant que l'homme blanc n'arrive. Donc, l'homme blanc ne nous a pas apporté de la démocratie. Non, nous l'avions avant qu'il n'arrive, d'accord? Ils ont introduit d'autres aspects qui ont tendance à diaboliser la sacralité de certaines de nos croyances. Au moins, nous sommes déterminés à les rejeter aujourd'hui. C'est pourquoi, quoi que je fasse, la motivation derrière tout ce que je fais, c'est la réussite de nos valeurs traditionnelles. Donc, je vais conseiller les jeunes de tolérer leurs épouses. Aucune femme ne peut être meilleure que vos épouses, donc il faut les tolérer. Tu as blessé ta femme ou elle t'a blessé? Il faut la tolérance et ça caractérise chaque relation réussie. C'est tout.